Oui. Oui, j'attends, j'attends. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Vous pouvez le dire? Je sais pas. T'as honte, j'espère? Oui. Et de quoi as-tu honte? De toi ou de ce que les autres pourraient penser de toi? De ce que les autres pourraient penser de moi. Demandez-moi tout ce que vous voudrez, je dirai oui, et puis après vous me laisserez partir. Oui, c'est mathématique. Multimilliardaire? Non, mais on a du mal à y croire. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Oui. Oui. En mathématiques, le hasard n'a pas sa place. La plante produit chaque jour telle somme calculée. Faites un graphique. Il y a une courbe, et cette courbe prendra forcément une direction ascensionnelle. Voilà. Et vous verrez que dans un an, la somme sera considérable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Merci, Leroux. T'étais où cette nuit? En mission. Toute la nuit. Pourquoi? Ça t'arrive jamais? Pourquoi tu mens, Slavik? 217 rue Chevalier. Je suppose que ça te dit quelque chose? Tu y étais cette nuit, entre 11h et 1h du matin. Ça n'a rien à voir avec le boulot. Ça, c'est ma vie privée. Désolé, mais faut qu'on le sache. Tu étais chez qui? Chez Ortega. Le mec de l'armurerie? Il était de service, j'étais avec sa femme. Vous avez intérêt à garder ça pour vous, c'est un malade, ce mec. S'il apprend que je me fais sa nana, il est capable de tout. Tu la vois souvent? Il y garde 3 fois par semaine. À chaque fois, j'y fais un saut. J'y étais cette nuit. J'y étais vendredi et j'y étais aussi la nuit où Manin est mort. C'était la prochaine question, non? Sûrement. Vérifiez auprès d'elle si vous voulez, mais faites ça discretos. Déconnez pas. T'en fais pas. Allez, file. On a fini de te faire chier. Enfin, elle m'a dit qu'il était coiffeur, mais à moi, on m'a dit qu'il est électricien. Donc elle m'a menti. Je parlais d'amour et de mon vélo. Je peux vous faire la bise? D'accord. Ça m'a fait du bien. Avec Sylviane, on ne parlait jamais, sauf du magasin. Elle voulait un magasin. On veut tout un magasin. Tu reviens quand tu veux, tu sais. Pour parler, c'est 100 francs seulement.